Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 45 de Stage One. Et nous allons jouer aujourd'hui à London 2012. Donc, ce sont les jeux officiels des Jeux Olympiques 2012 à Londres. Donc, on va voir un petit peu tous les jeux qu'ils nous donnent à faire. C'est assez fun. Donc, normalement, toutes les épreuves y sont, la plupart. Donc, c'est parti, appuyez sur Start. Donc, il est en français. Voilà, donc c'est les jeux officiels, comme j'ai dit. On va regarder déjà les paramètres. Voir si on peut gratter quelque chose. Ouais. Non, la 3D, je sais pas ce que c'est. Tac, graphisme. On est au maximum, on est élevé. Donc c'est bon, c'est parti. Donc on va. Allez, c'est parti, on va faire des épreuves. On va choisir quelque chose de déjà tout prêt. Donc l'épreuve, celle-ci là. Hop là. On va faire ces quatre épreuves en facile, en individuel. Et on va choisir la France. Donc voilà, c'est parti. La France. On va commencer par de l'athlétisme terrain. Alors. Donc Olympic Stadium, normal. Donc voilà. Alors les commentaires sont pas en français, hein. Comme la plupart des grands jeux comme ça commentés, ils s'embêtent pas à mettre les commentaires en français, je sais pas pourquoi. Alors celle-là, là, il existe en version française, mais les commentaires sont en anglais. Il n'y a pas moyen, n'existe pas. Donc les commandes. Hop, on appuie sur A, sur Space, et la souris. Et on donne de la hauteur. Donc voilà, donc plus en longueur, donc on passe de didacticiel. Donc on est français, hein, comme on a choisi au début. Donc c'est parti. Alors, on essaye de pas trop aller dans le rouge. Donc, alors, on a la petite barre, on appuie sur espace, tac. Donc là, la vitesse est bloquée. Maintenant, il faut que je clique et je viens de rater mon saut. Donc, on avait la petite barre, qui nous indique notre vitesse. Donc, on essaye d'être au maximum dans le vert sans être dans le rouge. Et dès que la vitesse est bloquée, ça sert plus à rien d'appuyer sur espace. Et là, faut tâter de la souris pour donner un bon angle et sauter. Donc là, voilà, on essaye d'être dans le vert. Magnifique, magnifique, magnifique. Hop là, hop là, hop là. Donc vitesse bloquée, si j'essaye de cliquer. Ah, j'essaye de cliquer partout, ça marche pas. Alors que je prenne un peu la main sur les commandes. Parce que c'est une série d'épreuves que je n'ai pas faite du tout. Donc là, avec la souris, c'est un petit peu chiant à prendre. Alors, attendez, on va réessayer. Donc là, la vitesse est bloquée. Vas-y, est-ce que je donne. Non, 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 ça saute pas. Bon, on doit avoir 6 essais, hein. Voilà, on a 6 essais, donc c'est plutôt. Et puis c'est plutôt rapide, c'est plutôt sympa, donc même si on se plante, ils vont garder notre meilleure performance. Allez, 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 monte, 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 monte. Donc la vitesse bloquée, ça y est, est-ce que je vais y arriver? Eh non, j'y arrive pas. Bon, c'est pas très bien parti. On va essayer d'au moins réussir un saut. Je ne sais pas trop comment y arriver, je vais appuyer sur tout ce que je peux. Ah, ça y est, il a sauté. Ah, donc voilà, ça me fait déjà une distance, c'est déjà pas mal. Ah, en plus, ah non, mais il y a une faute. Ah non, je suis en faute. J'ai pas vu. J'ai même pas fait gaffe. Donc voilà, donc déjà je suis en faute. On va essayer de refaire la même chose, mais plus haut. Hop là, trop. Ouais, donc j'ai un vieux score tout pourri, voilà, 3,62 m. Ah, ça m'étonnerait que je gagne. Je vais rien gagner du tout sur cette épreuve. Donc voilà, je suis dernier en plus. Là, ils ont fait 7 mètres les autres. Donc il y a un petit classement de médailles pour les 4 épreuves, donc c'est plutôt sympa. On n'a pas joué la carrière mode olympique, mais si on l'avait fait, donc on aurait eu toutes les épreuves dans toutes les disciplines. Il y aurait eu le vrai classement de médailles. C'est plutôt intéressant comme ça. C'est plutôt intéressant d'avoir un classement pour jouer contre d'autres scores, quoi. Voilà, lancer du javelot, homme. Alors pareil. On fait comme ça. On court, puis on se passe. On déplace en arrière. On déplace vers le bas pour aller en arrière. Et on le lance vers le haut après. Pour aller pour le lancer tout simplement. Voilà, on va passer du didacticiel. Je veux pas faire du didacticiel à chaque fois. On marquera le javelot qui. Okay. Voilà, il est très léger. En même temps, on voit les muscles du mec. Hein. On voit qu'il lance du javelot. Donc, alors, j'appuie sur espace pour donner de la vitesse. Ma vitesse bloquée. Et là, il faut que je tire.
Et allez, non. Foul. D'accord. Donc en fait, il faut pas que je dépasse la ligne blanche là. Voilà. Il aurait fallu que mon élan s'arrête sur cette ligne, avant cette ligne. Et donc que le javelot soit lancé avant, évidemment. Donc on va réessayer. Allez, non, vas-y, je le mets en arrière, vas-y. Allez! Donc celui-là est bon. C'est plutôt sympa. Donc ça me fait déjà un petit score, même si je suis pas premier du tout. On va réessayer. Allez, on va essayer de faire mieux. Vitesse bloquée. Allez, on recule et on lance. Oh non! Ah non, parce que j'ai dépassé la ligne après l'avoir lancé. Regardez, et hop. Ah là là. Et donc du coup, bah non, ça va pas compter. Ça me compte en tant que faute. Il faut pas que je dépasse cette ligne, donc il faut que je prévoie la ligne un peu plus avant. C'est pour ça qu'il y a un petit point là par terre. Oh non, j'ai encore dépassé. Ah, mes scores sont pas magnifiques, hein. Ah, oh, regardez ça. Oh, c'était pas loin. Ah, il me reste encore un essai. On va essayer de le faire bien. Allez, allez, allez. Donc voilà, la vitesse est bloquée. Elle est très bonne, elle est très bonne. Voilà, il est bien lancé, nickel, 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 nickel. 80-1-60. Ah bah là, je suis passé premier. Ah, on a encore un essai. J'avais pas fait attention, on en a encore un. Donc on va essayer de faire encore mieux. Allez. Ah non, faute. Oh non, ça aussi c'est cheaté. Regardez, oh non, regardez, j'ai passé la ligne, voilà, j'ai passé la ligne à ce moment-là. Oh, il aurait pu rester derrière quand même, il était pas loin. Mais bon, j'ai gagné puisque j'ai fait le meilleur des lancers. C'est pas très compliqué, on s'est mis en facile. Donc les scores sont pas non plus super élevés. De son longueur, il aurait fallu que j'arrive à comprendre comment on fait. Alors, athlétisme terrain. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là-haut, il nous donne quelques infos sur les épreuves. Saut en hauteur femme. D'accord. Alors le saut en hauteur, si je me rappelle bien, c'est la barre qui est là. Et donc faut sauter en hauteur tout simplement, sans perche. Alors on fait comme ça. On appuie sur A. On saute comme ça. Et on lève les jambes en appuyant sur espace. Ok. Donc là, il va falloir courir et sauter au bon moment et bien lever les pieds aussi. Donc là, on peut appuyer sur X pour faire des saluts à la foule. Ça peut être sympa aussi. C'est une petite animation qui est sympa. Je l'avais déjà vu, mais là, on l'a pas fait, mais on essayera peut-être. Il faut le faire au bon moment. Alors là, oh, il est magnifique déjà le premier saut. Oui, oui, non, 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 oh non, j'ai touché, j'aurais dû lever les pieds. J'ai complètement zappé de lever les pieds. Ah, il aurait été magnifique. Donc on a pu choisir la hauteur de la barre qu'on voulait. Hein. Je le signale, on pouvait choisir. Voilà. Hop. Ah voilà, carrément foiré. Allez. C'est pour ça qu'on a plusieurs essais, parce qu'on peut arriver à se foirer. Heureusement que c'est pas du premier coup, parce que j'aurais tout perdu. Ah, déjà le saut. Raté. Il n'est pas passé du tout, il n'est même pas noté. Pour l'instant. Ah bah d'accord, non mais j'ai perdu, d'accord. Non non, mais en fait, non, il n'y avait que 3 essais, ok. Bon voilà, athlétisme terrain. Ouais, j'ai rien capté, je pensais qu'il y avait 6 essais, mais non. Donc lancer du poids homme, on va essayer de se rattraper sur ça. Allez. Alors, départ, on appuie sur espace. Ah, et on sur A. Et on clique. Bon, donc, en fait, il faut accumuler la puissance, c'est lancer de poids, c'est la grosse boule de pétanque que vous avez dans la main. Voilà, j'appuie sur A, j'accumule. Attendez. Allez, c'est parti, j'accumule de la puissance, j'accumule comme un fou. Là, je mets vers. Ah d'accord, et je clique dès que j'ai le bon angle que je veux. Donc c'est un angle qui descend, il faut que je clique au bon moment. Alors comme je connais pas l'angle parfait. 1, 2,
1. Donc on accumule la force au maximum. Allez, l'angle, allez. Ah, il est trop bas. Donc on a fait un peu moins que tout à l'heure. Bon, là on a bien 6 essais, c'était marqué 1 et 6. Donc 3, 2, 1. Voilà, on accumule la puissance. Et on va essayer de le faire un peu plus haut. Là. Angle faible encore. 17,67, c'est déjà un peu mieux. Bon, j'améliore mon record normal. Donc, je suis premier pour l'instant sur mon 17,67. Comme quoi les adversaires sont pas très très forts puisque j'avais un angle faible quand même. Hop là, on va essayer de le faire encore plus haut. Bon angle. Ah bah bon angle. Oula, ralenti. Magnifique. Ouh, presque record. 22. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va essayer de le refaire. Allez. Hop, 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 hop. Ah merde. Ah bah non, angle faible. Voilà. Bon, mais ça, je pense que ça me suffira pour gagner. Ah bah non, il en reste encore un. On va essayer, encore une fois. On a du mal à compter les essais quand on joue, c'est un... Ça passe assez assez rapidement, mais là je pensais que j'avais fini. Bon angle. Voilà, super bon angle. Ah bah j'ai battu le record. Le record olympique je crois. Nouveau record olympique, voilà. Normal. Donc voilà, on va pas aller plus loin sur les jeux. Donc voilà, j'ai gagné. On a fait nos 4 épreuves. Je vous montre un peu les disciplines. Donc il y a aussi la natation, il y a aussi toutes les autres épreuves, même les tirs à l'arc, tout ça. Donc c'est plutôt bien fait. C'est plutôt intéressant si on aime les Jeux Olympiques. Donc voilà, on en restera là pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.